Merci beaucoup de vous être connecté pour ce nouveau webinaire. La question qui nous intéresse aujourd'hui est une question qui n'est pas forcément une question que de spécialistes, mais c'est une question qui me semble sous-exploitée ou sous-analysée en France. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux au sein de mon institut, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, de m'être associé avec trois partenaires, Tactics Institute for Security and Counterterrorism, qui est un think tank à Londres, dont je salue le président qui va intervenir, Tom Charles, ainsi que mon vieil ami et collègue et complice, Abdelsalam Kleish, qui préside l'European Center for Peace and the Horn of Africa, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un think tank qui est à Paris et à Bruxelles. Donc la traduction, je lui laisserai évidemment traduire en bon français la terminologie et nous expliquer quel est le but et le fonctionnement de son centre. Et puis, bien évidemment, ne pas oublier un autre think tank qui s'est associé à nous, un think tank africain, Thinking Africa, qui se situe à Dakar, dont je salue le soutien et le parrainage sans faille de son président Ahmed Saïd Abbas, je ne sais pas s'il est connecté, en tout cas, nous le remercions, qui est un think tank, évidemment, qui est spécialisé sur la question de la médiation et de la facilitation, mais également de la réflexion. Et je crois que c'est utile de l'avoir à nos côtés. Et puis, bien évidemment, je ne pourrais pas oublier nos partenaires médias, et je crois que c'est important de rappeler que nous avons le soutien à travers un partenariat désormais bien établi avec la radio marocaine Média, qui se situe à Tanger, ainsi que la revue Afrique.com, plus simplement identifiée comme la revue de l'Afrique, dont je salue Frédéric Geldof, le rédacteur en chef, qui, je crois, s'est connecté. Alors, ne croyez pas que nous allons faire de ces travaux seulement en français. Nous avons deux intervenants français, enfin francophones, et deux intervenants anglophones, et donc félicitons de faire ce webinaire comme les précédents du PSE dans les deux langues. Et je laisserai Abdelsalam Kleish, qui va modérer les débats, ensuite vous expliquer les temps de parole et évidemment les positions dans lesquelles les intervenants vont prendre la parole. Nous avons fait en sorte d'alterner pour que la compréhension soit la plus établie possible du français vers l'anglais. Je rappelle juste en quelques mots la règle du jeu. 8-10 minutes par intervenant. Nous sommes diffusés en Facebook Live, du moins je l'espère. En tout cas, beaucoup de nos intervenants vont se connecter ou se sont connectés par ce biais et nous les en remercions. Et nous aurons évidemment la dure tâche, Abdelsalam et moi, de rassembler, pendant que vous allez intervenir, les 5 interventions qui sont prévues aujourd'hui, de rassembler des questions écrites par facilité pour permettre évidemment la fluidité du débat et surtout ne pas rentrer dans des digressions qui évidemment nous amèneraient vers un temps que nous n'avons pas. Nous avons décidé avec Abdelsalam, avec Tom Charles, de limiter notre temps de débat à 1h30, et j'espère et je suis certain que nous pourrons évidemment nous y tenir. Avant de donner la parole à Abdelsalam pour qu'il modère le débat avec les 4 premières interventions, ensuite la série de questions-réponses qui sera ensuite terminée, pas forcément conclue, mais en tout cas mise en perspective par Tom Charles, peut-être quelques propos très liminaires, et excusez-moi si je suis peut-être un petit peu trop bref, et n'hésitez pas à me dire si je suis trop long. Pendant qu'Abdelsalam, d'ailleurs, modérera le débat, j'ai préparé des petits rappels à l'ordre qui permettront de tenir le temps, 1 minute, évidemment, fin et end. J'ai fait le dernier en anglais pour qu'il soit encore plus impératif et que les uns et les autres s'y tiennent, et évidemment l'inscrivent comme tel. Quelques propos liminaires pour expliquer les raisons d'être de ce webinaire. Premièrement, en nous excusant de n'avoir pris que 4 des 14 pays que traditionnellement on identifie dans la région de l'Afrique de l'Est, vous savez, une des 5 régions africaines, nous l'avons effectivement choisi, mais je précise que bien qu'ils soient de nationalité somalienne, soudanaise et djiboutienne, ils ne parlent pas bien évidemment en qualité des fonctions qu'ils ont occupées, mais bien évidemment du regard qu'ils posent sur cette région, encore une fois, qui regroupe plus des 4 pays que nous avons autour de cette table. Quelques propos cardinaux qui, je crois, peuvent nous servir de fil d'Ariane, en tout cas, permettez-moi de vous les présenter comme tels. Je crois que c'est vraiment d'Addis Abeba que l'on peut désormais penser, réfléchir à ce qui est une constante des dernières années, peut-être des derniers mois, c'est-à-dire la vertu de l'intégration régionale, la vertu de l'intégration continentale.
Et je crois qu'on doit tous se féliciter que désormais, l'Union africaine est pleine et entière, fût-elle avec 54 ou 54 pays, c'est un débat, 54 ou 55, pardon, États, c'est un débat qui n'est pas tranché, mais je crois qu'il faut évidemment avoir à l'esprit que c'est de la capitale éthiopienne que l'on peut penser l'intégration politique avec désormais le retour du Maroc depuis janvier 2017 et les 33 États qui composent l'Union africaine. Je crois que c'est également un autre sujet que nous allons aborder. En tout cas, j'espère que cela va d'une certaine façon transiter, si j'ose dire, dans vos différentes interventions, avec le changement de paradigme que constitue l'option ou la mise en place prochaine de la zone de libre-échange continentale qui, comme vous le savez, a été lancée en mars 2018, qui est désormais ratifiée par 24 États, signée par 53, avec là aussi, mais je pense que nous y reviendrons, l'exception notable et notoire, et sans doute critiquable, en tout cas interrogeable, de l'Érythrée qui a décidé de ne pas ratifier, ni de signer, ni de ratifier, ce qui constitue malgré tout un élément d'intégration politique et économique à travers cette zone de libre-échange. Je rappelle d'ailleurs que ce qui est une réalité au niveau continental avait déjà été initié à travers la zone de libre-échange tripartite réunissant les trois zones, les trois communautés économiques régionales, pardon, qui impliquent et qui impactent sur les pays de l'Afrique de l'Est, que ce soit le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la COMESA, la communauté est-africaine, ou bien évidemment l'union douanière de l'Afrique australe, la SADC. Bref, du Caire au Cap, la réflexion de l'intégration régionale est partie prenante des éléments de stabilité. Deuxième point, et je pense que nous ne devons pas oublier qu'aujourd'hui, nous sommes dans une journée un petit peu particulière, puisque c'est la journée internationale des casques bleus. Et sur les 122 000 casques bleus à travers la planète, il faut avoir à l'esprit que c'est en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, pardon, que se situe la plupart des contingents onusiens. 20 000 casques bleus, je vous le rappelle, dans le cadre de la mission de la MINUAD au Darfour. 17 000 dans le cadre de la mission MINUS en Soudan du Sud, sans oublier les 5 000 de la mission FISNUA dans la région de l'Abeille. Et bien évidemment, on ne peut pas mettre sous silence les 20 000 soldats, appelés d'ailleurs à être réduits dans le cadre de la MISOM. Ce n'est pas une opération onusienne, mais une opération de l'Union africaine, évidemment renforcée par les résolutions onusiennes et notamment la dernière résolution qui prolonge son mandat jusqu'en mai 2019. Troisième point important, me semble-t-il aussi, c'est de cette région que l'impact du Covid a été le plus médiatiquement ressenti, avec la diplomatie du masque chinoise qui, d'une certaine façon, a débuté en Éthiopie, avec, je vous le rappelle, cette offensive menée par le fondateur et PDG d'Alibaba, Jack Ma, qui s'est appuyé sur le leadership du prix Nobel de la paix, qui n'est autre que le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Évidemment, je crois que là aussi, nous aurons beaucoup à dire, car ce prix Nobel s'appuie aussi sur un élément qui reste d'actualité. Il me semble aussi que cette vision d'un rapprochement historique avec l'Érythrée a été peut-être un petit peu vite analysée et me semble-t-il, mérite évidemment un approfondissement, et nous y reviendrons. Je ne reviens pas évidemment en écho sur la polémique autour de l'OMS. Tout le monde a à l'esprit que le directeur général de l'OMS est l'ancien ministre évidemment des Affaires étrangères éthiopien. Quatrième point, et j'en ai vraiment presque fini, il me semble également que c'est de la région que la deuxième zone qui est en écho par rapport à la crise pandémique, celle du pétrole, revêt une importance considérable. C'est par Djibouti que transitent 35% des flux pétroliers mondiaux, 5 à 6 millions de barils par jour. L'impact du prix en dents de scie, je rappelle que le prix du pétrole est descendu jusqu'à moins 37, il s'est stabilisé à 35$. Cela a un impact aussi sur ce que j'appelle, ou ce que nous devrions mettre en perspective à travers cette stratégie du collier de perles qui fait que les ingérences extérieures, parfois, caractérisent par une présence à travers des bases militaires. Il y en a maintenant une douzaine qui représentent, me semble-t-il, des ingérences nouvelles, historiques, autant que géographiques, avec des bases que l'on peut, d'une certaine manière, mettre en comparaison de Port-Soudan ou des îles Swakin, disputées bien sûr entre l'Arabie saoudite et le Soudan, jusqu'aux dernières bases militaires des Émirats arabes unis qui devraient s'ouvrir
dans la région du Somaliland, à Berbera. Bref, cette arsenalisation, cette militarisation de la Corne de l'Afrique est aussi un élément qu'il faut avoir à l'esprit, mettant en avant, là aussi, mais je suis certain que Tom Charles y reviendra, les ingérences plus récentes d'un certain nombre de pays, notamment de la région proche, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, avec en écho deux crises, la crise libyenne, la question du mercenariat et l'implication des mercenaires soudanais dans la crise libyenne comme dans la crise yéménite. Ne pas oublier cette crise yéménite qui agit en sourdine et qui malheureusement impacte aussi la stabilité de la région. Et dernier point, et c'est d'une certaine façon une note d'espoir, le fait que c'est dans cette région que les processus de paix et les perspectives de stabilisation à travers des médiations sont les plus prégnants, en tout cas les plus optimistes ou les plus légitimes. Évidemment, j'ai à l'esprit, depuis l'accord enfin trouvé le 25 février dernier au Soudan du Sud, avec la perspective d'un gouvernement de réunion nationale, ce n'est pas le premier, mais en tout cas, Riek Machar et Salva Kiir ont promis cette fois-ci de s'y tenir. Également, le processus de paix somalien, qui est un vieux processus de paix qui a été initié en 2008, mais qui pourrait aboutir enfin aux premières élections depuis 1969. Et je suis certain que Abshir Aden Fellow et son parti politique nous diront quelques éléments là-dessus. Et je n'oublie pas, bien sûr, un point sur lequel Abdesalam et Eman Seyfeddine reviendront. Et je sais qu'avec Abdesalam, nous y réfléchissons activement depuis longtemps. Le processus de stabilisation au Soudan, je le rappelle, avec la mise en place d'un gouvernement de transition sous l'égide du Premier ministre Abdallah Hamdok. Là aussi, quelque chose, c'est un des éléments que nous aurons, j'espère, comme point saillant de nos conversations. Et puis, un vraiment dernier point, et je le mets comme une sorte d'anecdote. Et il faut se réjouir, me semble-t-il, d'un événement qui s'est produit il y a quelques jours, avec là aussi une rupture stratégique qui verrait peut-être Israël renouer avec un certain nombre de pays dans la région. Je rappelle qu'une équipe médicale israélienne, c'est maintenant connu, documenté et en tout cas présenté médiatiquement, a été envoyée pour sauver ou tenter de sauver malheureusement Najwa Gadda Eldan, qui, comme vous le savez, était une proche conseillère du général Abdel Fattah al-Burhan, montrant que là aussi Israël est aussi un de ces acteurs nouveaux dont il faut tenir compte dans la région. Voilà quelques propos liminaires pour initier notre débat. Et maintenant, je cède la parole à Abdelsalam Kleij pour qu'il nous explique les tonalités, bien sûr, pour compléter ce que je dois dire, ou l'infirmer, bien sûr, aussi, mais pour rentrer dans le vif du sujet avec nos quatre invités et Tom Charles qui terminera le débat. Thank you, my friends and colleague Emmanuel, for this presentation. I think that I will not go long on this way and to give directly the floor to our speakers. Just for the participants, maybe some elements about our speakers. We are really very pleased to have these speakers and try to have to respect the gender equity, you know, because it's important to us. We have two speakers, two women from Sudan, Ayman Seyfeddine, activist and co-chair of the European Council, the European Sudanese Council, Caroline Rivery, political advisor, long experience in Horn of Africa, and two other speakers from Horn of Africa. Abdelblock, I think that he's not here. Not yet. Well, I'm trying to solve that. He's not yet. Yeah. He'll join us later. And I will express my heartfelt condolences and deepest sympathy to our friend Abshir Aden Fellow, because he lost his member of family. We, in the name of our think tanks and all organizations, we express our condolences to his family, to the party, and all the
the members of this party, and we grateful that in these circumstances he joined us, and we know that he cannot stay with us a long time. That's because we will give him the floor, the first. The second will be Caroline Rivry in French. Abshir will speak in English, Caroline Rivry in French. And we hope that Abdou Bloch join us. He will speak in French. And the last speakers, Ayman Saifuddin, she speaks from Germany. She will speak in English. The rules of this conversation or this meeting are 10 minutes for each others, for each speakers. And after the speakers, we will open the floor for discussion, written questions only, and with the my friends and moderator Emmanuel Depuy, we will be really careful about the time. Then please help us to respect this time. Then directly I will give the floor to our friend Abshir and then Ferro. Thank you to have been with you, and really, really grateful for your participation. Thank you very much. And my name is Abshir Aden Ferro, and born in Somalia, raised in France, Middle East, and United Kingdom. And the work that I've been doing all those years is mainly to the Horn of Africa. And first of all, I'd like to say to you, thank you, Emmanuel, and the whole team to have me on board. And just give it to you a little bit background on myself. And over 30 years I've been working in the region Somalia and in the Horn of Africa. I have realized that basically that there was a lot of positive things that's been happening, but it was not basically reflected towards the international community. And Somalia, as you all know, that has gone chaos since 1990s under the feet of Siad Barre. But over the years, we have gone a country with intensive care and difficult in terms of security, stability, economically. And then I've decided last year, December, to create an allies called the Allies for the Future Party, and to bring the knowledge and those of us of the diaspora to come back and bring a solution into the region. So personally, the way I see it is quite very healthy and positive in the region. If you look at the history and the Horn of Africa, especially Somalia and the neighbor's country, and you will see that for the last 30 years, there's a lot of progress happening today. So we've gone in a society where that warlord was running the country. We went to this stage that we elected and a government and created in Djibouti, the TFG. We moved it slowly into the right direction. And the neighbors, and as always, the way I always say that there's always positive and negative. So the neighbors has to learn how to live together personally, in my personal opinion. We have the classical example here where I am living right now in Great Britain. If you're talking about between the relationship between the French and the British, it's very challenging as well. So there's the history always repeat itself. And globally, the way I see that Somalia is in the right direction. Somalia is lacking a strong leadership. The nation are very humble people. And they have shown to the rest of the world that these people will not go away and will not die. So I basically been raised also, as I say to you, in France. And I admire the culture, tradition, they are basically determined 100%, you know, to contribute. But the element is missing from them is a strong leadership. This is the lack of the country, what is missing.
and leadership that who understand the, how the mechanism works internationally, and the, also the investors in Somali international community to understand also how the response of Somalians. So basically over 30 years, what I have seen it was basically lack of communication and understanding between the international and community and the Somalians. I used to be, I was a chairman, co-chairman of the working group one and fight against the piracy. And I've said many times and proven many times that the reason and the root cause of the piracy, Somalia needs to contribute something positive in the international community, which they are, but the media has painted very negative image. And culturally, Somalia has got the second reserve of livestock after Australia. And they have also the second maritime motorway on the planet, especially in Bosaso area. And military strategy, quite very sensible place. So the personally, the way I see the Somalia and contribute, as we all know, that the second and after Sudan as well, and second livestock to Middle East, and the economic of the people are there, but the infrastructure has not been rebuilt correctly. And of course, weakness of the corruption, because it's a perfect, in terms of security, perfect environment to have in terms of criminology of Al-Shabaab, or in terms of lack of governance or lack of strong leadership of governments, and then lack of also knowledge in terms of security into the country. And then that has also contributed to the, basically one of the biggest victims and the Somalian people. And we have more Somalian dying every day than anyone else in the planet because of the extremists or people who have got different agenda and in their lives. So the thing is like, and then also the positive side of it, if you look at it for the last 30 years, the progress of the country has been, you know, phenomenally going up. I'll give you an example. If you Google up capital of Mogadishu in Somalia, if you Google up in English, you all see terror, death, blood. But if you Google the same and type in Somalian language, you see the beauty of Somalia, country that has completely went to the you know, one of the most, you know, difficult experiences that they've gone in our generation. And you see that the hotels building up, shops building up, people are back into the society. The diaspora is doing an amazing work because diaspora contributes 1.6 billion every year to Hawala. And then basically give them the support of their families. So as far as I'm concerned, and as far as I see that, there's also a major breakdown in the region as well between the government and the people. And then a lot of, people from the region, and they forget basically the politicians are there to serve to the people. We serve to the people. And this is the biggest issue that we are facing with it. And you mentioned in one of the issues that we haven't even touched it in terms of the support of COVID-19, and which I've lost a very close friend of mine last night. COVID-19 and the infrastructure and the medical system is not in place in Africa. And as far as I'm concerned, we had a history who has taught us very clearly, look at our history in Europe. You know, between us, the German, the French, the British, the Belgium, you know, and in all of Europe. And Europe today has reached a stage where they have one common currency, except to the British, of course. And so the thing is that I think that personally, Africa is in the right direction. And Africa needs is also the diaspora, you know, to come back into the country. And then the also to educate it and to be the bridge as an ambassador between the two nations, you know, the Western nation and in our African nation. We know that today Africa and the vast of the land that we have it,
We know that Africa, what we contribute today, it is a phenomenal wealth towards the Western. That is a fact, it's undeniable. And even the food security today, nothing grows in our Western culture. You know, our supermarket is Africa. The youth of Africa needs us in a positive manners. And we have to basically think the way and smartness to invest people and in the way that our taxpayers and Western taxpayers has to invest into those countries of Africa. There you go. Thank you for this intervention. Maybe we'll have two or three minutes for a translation by our colleague Emmanuel Dupuy for the French and the native French speakers. I do apologize, Somalia, we are British history and Italian. Emmanuel. Merci Abdesalam. Adel Abshir est très modeste parce qu'il parle français également, mais je vais essayer de synthétiser en n'obérant pas évidemment les éléments importants qu'il a rappelés. J'avais rappelé dans mon propos, et je pense qu'il a abondé dans l'idée qu'il faut se féliciter que le processus électoral soit enfin mis sur les bonnes rails. Le processus de paix a été initié, comme je l'ai dit, en 2008. Les 20 000 maintenant soldats de l'AMISOM ont pour objectif non seulement de lutter contre les Chebab, mais également de permettre ce processus électoral. Et je crois que ce processus électoral me semble, malgré les attentats quotidiens, sur de bonnes rails. Et je crois que le propos de Abshir Adenferro montre que c'est une question aussi qui transcende l'ensemble des États africains, c'est-à-dire le hiatus qui peut exister entre le leadership politique et les différentes autres formes de leadership. Le leadership économique, vous en êtes un exemple, Abshir, la manière dont la population perçoit ou ressent, malheureusement, les carences de l'État. Et je crois que la crise du Covid-19 montre à quel point, parfois, les États sont sous-calibrés, non préparés et ne sont pas dans l'anticipation stratégique. C'est pourtant la raison d'être d'un chef d'État et de gouvernement d'anticiper, de prévoir, gouverner, c'est prévoir, a-t-on coutume de dire. Vous avez raison aussi, Abshir, de rappeler que la Somalie est importante à nos yeux parce que c'est une zone économique déterminante. Je rappelais qu'à travers le détroit de Bab el-Mandab transite une bonne partie de l'énergie dont nous avons besoin, mais surtout, il en va aussi de la stabilité de l'ensemble de la région, que ce soit celle du Golfe, que ce soit la mer Rouge, et qu'une bonne partie de la stabilité de l'océan Indien, dans sa partie septentrionale comme méridionale et australe, dépend aussi de la stabilisation du pays qui a la plus grande zone économique exclusive de cette région du monde. Je crois aussi que vous avez raison de rappeler le rôle de la diaspora dans la manière dont il doit servir de geste barrière, si j'ose dire, ou de résilience face à des maux que nous connaissons dans d'autres cieux, pas seulement sur le continent africain, celui de la corruption, celui de la kleptocratie, la mission de l'Afrique, de la mission de Casque Blanc, pardon, avec une résolution de l'ONU, a aussi créé une corruption endémique liée à la présence depuis maintenant près d'une vingtaine d'années de ces forces internationales. Et que je crois, comme vous, Abshir, que le rôle de la diaspora est structurant, déterminant dans la manière dont nous devons percevoir la montée en puissance de ce leadership. Il faut avoir à l'esprit que deux États ont été créés sur la base du retour d'un leadership vertueux en 1991 en Érythrée et en 2008 au Soudan du Sud, au Soudan du Sud, avec là aussi une création vertueuse où les diasporas parlent aux populations dont ils sont issus, mais également parlent évidemment avec les interlocuteurs que la communauté internationale constitue. Et c'est un vibrant appel pour la sixième région, puisque l'Union africaine le reconnaît comme tel depuis 2003, en rappelant que 170 millions d'Africains vivent en dehors du continent africain, et ce sont eux, littéralement, les premiers moteurs du développement économique de l'avenir de demain. Voilà, je crois avoir synthétisé vos propos. Bon, bah, thank you. Abdesalam, à vous. À toi. Thank you, Emmanuel. Again, thank you, Abshir. If you have to leave, en fait, il va rester.
Je précise, c'était au cas où, mais il nous fait l'amitié de rester, bien sûr, pour les questions. Ok, thank you, thank you, thank you. Okay, thank you, thank you. Now, another speaker, Caroline Rivray. Caroline Rivray, she's a political advisor, and she will speak in French. She has long experience in Horn of Africa, many countries, and we are really, really, it's our great pleasure to have Caroline Rivray with us. And I think that we cannot speak about to have a conversation or meeting about Horn Africa without have a focus about this great country, Ethiopia, sure that the intervention of Caroline Rivray will help us to highlight what's happened in this country, how the importance of this country in this region, even in Africa, and the relation between all the neighbors of this country. Caroline, merci beaucoup pour ta présence. Nous te donnons directement la parole, 10 minutes comme les autres, et ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui et d'avoir pris le temps, je sais que ça n'a pas été facile, de prendre le temps de partager cet échange avec nous. À toi, le micro. Merci Abdelsalam. Bonjour à tous. Donc merci Abdelsalam, bien évidemment, de m'avoir invité. Merci Monsieur Dupuis pour l'organisation de ce webinaire qui est forcément très intéressant et passionnant. Alors moi, pour ma part, donc je vais vous parler de l'Éthiopie. Donc l'Éthiopie, hein, qui est en pleine croissance économique et politique, et qui se trouve donc forcément impactée, hein, par l'avènement de cette pandémie. Alors sur un plan économique et sanitaire, donc on va faire un petit tour très rapide, hein, du Covid. Hein, donc le premier cas est apparu le 13 mars. L'Éthiopie compte aujourd'hui 831 cas, dont 633 actifs, 191 rétablis et 7 personnes décédées. Le gouvernement éthiopien se montre proactif, hein, dans la lutte contre la pandémie. Au niveau national, il a choisi d'adopter une restriction de mouvement qui s'est voulue adaptée et évolutive, plutôt qu'un confinement strict. Il a également mis en place des mesures sanitaires et économiques, des mesures économiques qui se veulent compensatrices, comme l'allègement ou le report des taxes, bien que leur impact risque de se trouver limité, hein, par une partie de l'activité économique qui appartient toujours au secteur informel. À l'international, l'Éthiopie est également au cœur, hein, de la lutte contre la pandémie avec Ethiopian Airlines. Donc, Ethiopian Airlines comme pourvoyeur logistique du continent, qui apporte une réponse coordonnée, mais aussi continentale d'aide face à la crise. Donc, il travaille en coordination avec de nombreux acteurs, hein, comme on l'a dit, avec les Nations Unies, avec le PAM, le Jack Ma Foundation, l'UE, avec l'UA bien évidemment, et l'IGAD. Alors donc sur cette crise, hein, sanitaire, donc elle aura des impacts économiques certains dans un pays qui est en pleine restructuration. Les projections du FMI prévoient une chute à 3% du PIB en 2020, alors que le pays flirtait avec 10% depuis une décennie, dont 9,2 en 2019. L'impact va se faire ressentir sur l'avancée des grandes réformes entreprises par le Premier ministre, donc à savoir la restructuration et la diversification économique, mais aussi le traitement de la dette, les grands chantiers publics qui sont en cours, d'autant que le financement par les bailleurs internationaux sera rendu plus difficile, avec une mobilisation des fonds plus concurrentielle, notamment au niveau international, hein. Surtout, le gouvernement éthiopien devra mettre en place une stratégie qui permette de limiter les impacts de la récession économique sur la population. Et donc, c'est vraiment ça l'importance pour éviter une déstabilisation du pays, alors que l'Éthiopie sort à peine d'une crise politique aiguë, hein, ces dernières années, et que les élections devaient arriver au mois de mai. Donc, l'enjeu principal sur le plan économique et sanitaire, c'est bien évidemment donc de redresser au plus vite l'économie, mais surtout, c'est d'éviter un nouveau mouvement populaire, hein, qui pourrait être fatal au pays. Donc, ça dépendra de la capacité du gouvernement à interagir avec l'ensemble des forces vives du pays, donc les forces politiques, mais pas que, hein, les autorités également religieuses, les groupements de société civile, les femmes, les jeunes. Enfin, voilà, maintenant, on a énormément d'initiatives et de groupements citoyens qui se sont développés et avec lesquels il faut absolument collaborer.
Et ça permettra de répondre d'une façon collective et intégrée aux conséquences socio-économiques liées au Covid, en mettant des mesures adaptées aux diversités sociales et communautaires qui composent le pays. Sur le plan politique, donc le tournant pris par Abiy Ahmed depuis son élection en mars 2018 a profondément bouleversé l'écosystème politique qui était en place depuis 1991 et qui reposait principalement sur une logique ethno-fédérale de gouvernance. Donc en effet, il a opéré un assainissement des institutions qui ont généré de fortes tensions, notamment communautaires. On a pu observer un déclin du TPLF par la mise à pied de plusieurs de ses représentants. Donc ça a généré vraiment des fortes tensions, notamment autour de la population tigréenne, donc qui s'est retrouvée stigmatisée par amalgame au parti politique TPLF. Donc en conséquence, l'élite tigréenne s'est retranchée dans l'État du Tigré, État qui est en train de se renfermer et de s'autarciser, il faut le dire. Donc la fracture sociale qui en découle, évidemment, est importante et pourrait être fatale au pays. Parallèlement, l'ouverture de l'espace politique qu'on constate depuis 2 ans est en train de générer une compétition électorale inédite en Éthiopie. Donc, en effet, le Premier ministre mise sur le renforcement de l'identité nationale éthiopienne à travers le développement d'une démocratie multipartite. Donc ça s'est déjà traduit par une ouverture spectaculaire à l'opposition et notamment par une mutation de l'EPRDF qui est devenue Prosperity Party en décembre 2019. On constate néanmoins une réelle fracture politique déjà au sein de l'EPRDF avec le divorce officiel du TPLF donc qui a refusé de suivre la coalition nouvellement formée par le Premier ministre. Donc l'impact politique majeure de cette pandémie, c'est bien évidemment le report des élections législatives qui vient fragiliser l'assise du gouvernement durant la période préélectorale. Donc, il faut savoir que les élections étaient prévues en mai, elles ont été ensuite reportées en août, et puis face à la saison des pluies, c'était impraticable, donc elles ont été reportées sine die. Bien évidemment, ça s'est fait en consultation avec les partis politiques, et il y a un consensus assez général dessus. Donc ce report, donc, il génère d'abord un problème qui est constitutionnel, puisqu'il est inscrit dans la constitution éthiopienne, que les élections ne peuvent pas se tenir plus d'un mois après la fin de la législature. Donc, ce qui poserait l'échéance, au 5 septembre. Donc, forcément, il va falloir modifier la constitution. L'enjeu avec cette modification, donc, ça va être de ne pas ouvrir une boîte de Pandore aux revendications, mais bien de se cantonner aux aspects techniques du report électoral. Donc, je pense notamment à l'article 39, qui prévoit un droit inconditionnel, je mets des guillemets, à l'autodétermination des peuples, mais pas que. Et donc, surtout, ce report soulève une problématique de gouvernance pendant la phase préélectorale. Donc, ça va forcément impacter le Premier ministre, qui va devoir trouver un moyen pour renforcer sa légitimité après l'état d'urgence. Donc, l'enjeu ici se trouve dans la capacité du gouvernement et des partis politiques à trouver un consensus dans la gestion de la période préélectorale, et donc notamment autour d'un appareil gouvernemental légitime, et qui soit susceptible d'assurer une compétition électorale équilibrée et pacifique. Alors, en matière de perspective de stabilisation, je dirais que cette pandémie arrive donc à un moment crucial de l'histoire éthiopienne, et elle vient clairement fragiliser, malheureusement, les efforts de construction des Éthiopiens, en impactant la stabilité économique, mais aussi politique, qui est en pleine reconstruction, et donc, comme on l'a dit, qui devait connaître une nouvelle apogée en mai par les élections. Le Covid semble pour l'instant fédérer les forces politiques autour de la gestion de cette crise, mais la fin de l'état d'urgence risque d'entraîner un déficit de légitimité pour le Premier ministre, et ça par contre ça risque de réveiller les rivalités politiques autour des questions électorales et de gouvernance. Donc la stabilité sécuritaire du pays dépendra de la volonté, mais surtout de la capacité, comme je l'ai dit, de l'ensemble des forces politiques, y compris du gouvernement, à stimuler la croissance inclusive du pays. Donc, chacun étant susceptible d'exacerber ou au contraire d'atténuer les tensions autour des problématiques actuelles. Donc, le gouvernement doit poursuivre la lutte contre la pandémie d'une manière collective, participative, comme il le fait en ce moment, avec l'ensemble des forces vives du pays, comme on l'a dit, et sans céder au travers passé de resserrements sécuritaires pour préserver la stabilité du pays. De leur côté, l'opposition a également un rôle crucial à jouer dans la gestion de cette période post-Covid,
notamment en tant que garde-fou hein, du gouvernement, mais surtout en tant que catalyseur politique et sociétal. Donc notamment en encourageant une résolution pacifique des problèmes de la nation et une compétition stimulante, mais aussi professionnelle, sur l'arène électorale. Pour conclure, donc voilà, je vous dirais que l'Éthiopie a déjà montré hein, par le passé sa résilience, mais aussi sa capacité à questionner son système de gouvernance et à se le réapproprier, donc comme c'est le cas aujourd'hui, pour construire notamment collectivement un nouvel écosystème politique et sociétal. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Caroline, pour cette présentation et cette analyse concernant l'Éthiopie. Je pense qu'on y reviendra. Auparavant, je voudrais juste saluer l'arrivée de notre quatrième intervenant. Il vient d'arriver, et donc Monsieur Abdouk, je crois qu'il est là, parce que je le vois. Il a le micro, il peut parler. Et donc, on est ravis qu'il a pu se joindre à nous. Il aura tout de suite la parole. Mais auparavant, je pense que mon collègue Emmanuel souhaiterait oui. Dire, peut-être un petit tac au tac oui. Au propos de Caroline. Oui, pour qu'on soit un petit peu dans l'interaction, je suis très curieux que Caroline nous dise son sentiment, évidemment, qui lui appartient, elle n'appartient plus au ministère des Affaires étrangères, sur ce qui nous semble un paradoxe. Abiy Ahmed a obtenu le prix Nobel pour la résolution d'un conflit qui a été ô combien meurtrier avec son voisin érythréen, et notamment avec son président Isaias Afewerki. On se souvient qu'en juillet, je crois, 2017 ou 2018, ils s'étaient rencontrés. Et pourtant, on a le sentiment que malgré, ou peut-être à cause du prix Nobel, on est revenu en arrière. Est-ce que vous pouvez nous donner vraiment en quelques minutes votre sentiment sur cet état assez paradoxal des choses? Alors, c'est vrai que bon, l'attribution du prix Nobel, bon, est-ce qu'il est mérité? Pour moi, oui. Pour la relation, pour la réconciliation éthio-érythréenne, forcément, mais pas que. Hein, Abiy Ahmed a aussi fait énormément de choses. Il a libéralisé l'espace politique. Il a beaucoup contribué à l'amélioration des droits de l'homme dans le pays. Donc, c'est vrai que le titre hein, de prix Nobel en soi, très clairement, n'est pas forcément à remettre en question. Après, bon, la relation entre l'Éthiopie et l'Érythrée, il faut aussi voir, pour moi, c'est ce que je pense en tout cas, c'est qu'elle a démarré de façon assez surprenante. Moi, je n'ai pas l'impression que Isaias, qu'il y ait eu énormément de négociations en amont, quoi. Il a été un petit peu pris de court. Alors, est-ce que cette réconciliation qui a été voulue par le président, par le premier ministre, pardon, Abiy Ahmed, est-ce qu'elle est réciproque au niveau du président érythréen? Et surtout, bon, on sait aussi, on connaît tous hein, le régime politique érythréen et qui s'est basé justement sur ces justifications de tensions avec son pays voisin pour sécuriser son régime. Donc ça rentre aussi en jeu. En fait, très clairement, on ne sait pas si nous avons une réelle réconciliation et donc potentiellement une ouverture de l'Érythrée, comment le président va tenir son régime. Donc c'est aussi ça l'aspect à prendre en compte. Il y a aussi un autre aspect, c'est que lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en place cette réconciliation, c'est quelque chose qui n'a pas été fait, ou du moins les circonstances ne le permettaient pas, mais qui n'a pas été fait pleinement en consultation avec le TPLF. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le TPLF a été un groupe vraiment qui a participé de manière plus qu'importante. Hein. C'est eux qui ont permis, en coalition, de faire tomber l'ancien régime, donc le régime d'Uder. Donc, cette réconciliation soudaine, comme ça, sans préalable, sans, voilà, pas vraiment conditionnée, ça peut être aussi perçu difficilement par le TPLF, par la population tigréenne, mais aussi par d'autres éléments, partis politiques, qui ont tous contribué, finalement, hein, à faire chuter le dergue et donc qui a conduit derrière à cette séparation entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Merci Caroline, on y reviendra. On voit bien que le débat va être passionnant tout à l'heure dans les réactions. et pour cause, la région elle-même nous passionne. Et donc, sans plus tarder, on va passer la parole à notre intervenant concernant les Djibouti, donc Abdou Blok, ex-ministre des Affaires étrangères de Djibouti.
ravi qu'il puisse se joindre à nous parce que Djibouti compte beaucoup. Ça a été rappelé tout à l'heure par notre ami Emmanuel. Elle devient aujourd'hui un point attractif pour beaucoup de pays. Elle contrôle aussi un des axes majeurs, j'allais dire, de l'économie mondiale par sa position géostratégique. Elle est aussi intéressée par les conflits de la région. Elle est presque adossée au détroit de Bab el-Mandeb. Donc tout cela fait que bon, Djibouti, évidemment, c'est à la fois géopolitique, géostratégique et un poumon du monde. Et par conséquent, il est important, quand on parle de la Corne de l'Afrique, d'aborder Djibouti. Donc je lui laisse tout de suite la parole. Donc 10 minutes, comme le prévoient les règles, et après on pourra peut-être réagir. À toi, Abdou Blok. Merci. Je pense que tu as... Ah, il y a un problème de micro. Je vais l'activer. Normalement, il est activé. Oui, voilà, là, on vous entend, on vous entend. Merci. Merci, merci Abdissalam, merci à Emmanuel, merci aux invités et je m'excuse auprès de tout le monde et des auditeurs pour cette difficulté technique pour me joindre à vous. Voilà, donc je vais prendre un peu, donc j'ai raté un peu le début du débat. Mais aujourd'hui, effectivement, la région de la Corne de l'Afrique, pour parler, je reviendrai un peu plus dans les détails et Djibouti, mais faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 230 millions d'habitants. Je parlerai principalement des pays de l'IGAD, car cette région de l'IGAD se situe dans l'arc de crise qu'on appelle, qui va du Sahara sahélien jusqu'au Moyen-Orient, la Corne de l'Afrique, jusqu'au pays de Grand Lac, une espèce de boomerang qui peut nous revenir au visage. Et cette zone-là a beaucoup de difficultés. Alors, cette zone, aujourd'hui, la région Corne de l'Afrique en elle-même, c'est 230 millions d'habitants, 5 millions de kilomètres carrés. En 2050, il faut savoir qu'il y aura 400 millions d'habitants. Donc, les défis sont énormes. Et je voudrais relever trois choses, les nouveaux défis. Le premier, c'est le changement climatique. Je voudrais dire ici que le changement climatique, 70% de la région est constitué de terres arides et semi-arides. Et il n'y a que 7% de terres agricoles, il y a 19% de forêts, et puis 28% des terres sont des pâturages. Donc, la région est sujette à des sécheresses récurrentes et des périodes de sèche, ce qui en fait l'une des régions les plus vulnérables du continent africain. Et aujourd'hui, les changements climatiques et les effets de l'environnement ont un impact énorme sur cette situation. Je suis depuis quelques mois à Djibouti et nous avons connu des vents violents, des tornades que nous ne connaissions pas. Nous avons connu des inondations. Nous avons aussi d'autres crises telles que le chikungunya, le paludisme. Et aujourd'hui, bien entendu, le Covid-19. Et à côté de ça, donc, ceci, c'est la sécurité alimentaire avant tout et les déplacements des populations qui sont les gros problèmes dans la région, pilier de l'économie. Il faut savoir également aussi que l'agriculture occupe 80% de la population. Donc, c'est important. Et nous avons cette difficulté dans la région. L'autre problème que nous avons dans la région, c'est l'eau. Et je parlerai de la question du barrage en Éthiopie et du Nil, qui aujourd'hui, avec 400 millions d'habitants dans 25 ans, 30 ans, vous savez bien qu'il y aura un problème avec l'Égypte. Donc, il y a des pourparlers en ce moment, mais je crains fort qu'aujourd'hui, les déploiements de forces de la coalition du Golfe, de l'Émirat et de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte au Yémen est une démonstration de force aussi à l'endroit de l'Éthiopie. Donc, le troisième point que je soulèverai, c'est l'impact du Covid-19 aujourd'hui. Juste quelques éléments.
L'Éthiopie a un taux de croissance de 10%, l'Ouganda 6 et quelques, le Kenya 6 et quelques, et aujourd'hui tout ça s'est rétracté. Djibouti est autour de 7, on va arriver autour de 1, 2, peut-être 3% de croissance économique dans la sous-région. Donc l'impact est fort. Aujourd'hui, même si le secteur formel, les États aident d'une manière ou d'une autre avec la Banque mondiale ou avec d'autres partenaires, le secteur formel, il y a le secteur informel qui ne peut pas être aidé, qui ne peut pas recevoir des prêts bancaires, qui ne peut pas recevoir de chômage partiel. Et donc, tout ça crée des tensions aujourd'hui. Il y a quelque chose dans l'air et les États sont déjà fragiles. Il y a quelque chose d'électrique dans les sociétés africaines aujourd'hui à cause du Covid-19. Alors, je ne sais pas si je continue avec les perspectives et les stabilités. Tu as encore 3 minutes. Oui, tu m'entends? Allô? Il a disparu. Allô? Abdoubloc? Et pourtant. Oui, je crois que son micro. Il est ouvert, son micro. Ah, son micro est ouvert. Ah, ouais. Voilà. Voilà. Est-ce que tu m'entends, Abdoubloc? Ah, il a fermé son micro. Bon, il s'est refermé tout seul, je le rouvre. Alors, non, mais tu avais encore 2 minutes, si tu veux. Ah, donc très rapidement, les perspectives de stabilisation, notre sujet, c'est sur le plan politique, l'arrivée au pouvoir, bien entendu, du docteur Abiy, le rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée, la révolution soudanaise, l'accord tripartite Somalie-Éthiopie-Érythrée, les discussions qui s'opèrent gentiment entre le Somaliland et le gouvernement fédéral de Somalie, et puis la médiation et l'accord au Soudan. Bien entendu, tout cela est mis en cause par les difficultés qui existent. Juste un exemple, il y a une myriade de systèmes politiques dans cette sous-région. L'Éthiopie, c'est un fédéralisme ethno-linguistique. La Somalie, c'est une organisation clanique 4.5. C'est-à-dire les 4 grosses tribus plus un demi pour les autres tribus. Le Soudan, c'est une codirection entre la révolution et l'armée. Le Kenya, c'est une démocratie fragile avec des violences interethniques. Le Sud-Soudan, c'est un État fragile et vous avez 3 pays, l'Ouganda, l'Érythrée et Djibouti, pour aller très vite. Museveni est là depuis 1986, Afewerki depuis 1993, si je me souviens bien. Et Ismaël Omar depuis 1999. Et puis, nous avons les problèmes du Somaliland, du Tigré et de l'Oromia qui vont peut-être s'autoproclamer auto-indépendants un jour. Donc, voilà, je m'arrête là pour le moment et puis je pourrais peut-être revenir dans le débat après. J'allais te relancer avec une petite question un peu, j'allais dire, presque provocante, mais je pense que je vais la garder peut-être pour tout à l'heure, parce que Djibouti, aujourd'hui, est devenu, pour un petit État, presque, pour une bonne partie, le centre du monde. Donc, au niveau géopolitique, géostratégique, aujourd'hui, avec cette présence de base importante aujourd'hui, et notamment avec ces conflits régionaux, quelle perspective, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure d'une manière importante dans le débat. Je vais bien entendu tout de suite passer la parole à Hello Ayman Saifuddin. Donc you hear me, Ayman? Yeah, I can hear you. Yes. Yeah. Thank you to join us today. I know that you are so busy and it's important to have a voice from Sudan and female voice. Important. We know what was and were the role of women during not just this revolution, but all the long of the history of the Sudan, even all the region, and West countries and people in West were astonished
and to discover the role of Sudanese and women Sudanese during this revolution, and they forget that this country had a queen a long time ago, and they play a great role to develop this country. Today, I think that it's important to have maybe some keys to understand what's happened in this country, what is this long transition. Analysts say that it's not a short transition. This transition lasts from 30 years, what's your view about what's happened in Sudan as activists, as political activists, a long time, not even your experience in other countries that we lived in the region, and maybe even your view between about the relation between Sudan, the neighbors, and Europe. That's what I think is important. Thank you, and you have the floor for 10 minutes. Thank you very much for having me here today. I appreciate, and I am also grateful to Webinaire and other colleagues who are here. And my friend also, Abdussalam, thank you very much for giving me this chance to speak with you here. I prepared a small presentation, but I think I cannot cover all the issues of Sudan, as it is very much complicated, and it has been continuous for a very long time. But I welcome maybe your questions on to clarify some issues that of significant importance to you. Sudan is a country of great diversity and contrast. Unfortunately, the diversity was not managed in a way to be a source of mutual enriching interrelationships. In the contrary, since the independence planted the seeds of instability on Sudan until now. This is a period of 60 years to go. Regardless, the great potentialities and resources that we have in Sudan, but the instability has been growing steadily as we witness three current interstate conflicts. Manifested itself in several civil wars in which we lost 2 million people in the War of the South, and until the country disintegrated in 2011 into two countries, Sudan and South Sudan. Nevertheless, South Sudan characterized also by instability due to violence, the exacerbated political, economic, and social issues in the country. Since 2003, I'm going to get in deep straight away in the instability in Sudan, mainly in Darfur region, because I am personally from Darfur, and I would like to emphasize on this issue. Since 2003, the Darfur region of Western Sudan has been the site of terrible violence, deaths, and displacement, and genocide, as it has been recognized by the U.S. That has been launched by Bashir Islamic regime, with establishment of different militias and terrorist groups. Moreover, the Bashir regime supported terrorist groups throughout Africa, like Lord Resistance Army, Boko Haram, ISIS, Silica, and Muslim Brotherhood organization. In a way that Sudan support regional instability in the whole region of the Sahel. The Janjaweed militia that has been organized and formed by Bashir were promoted to be more formal after passing Rapid Support Force Militia Act in 2017 by Sudan Parliament,
and being devoted for border control, where the RSF, the Rapid Support Force Militia, committed serious human rights violations against migrants. The militia involved in trafficking, which is trans-border crimes, besides the attacks on civilians in their villages or in the IDPs camps, internally displaced camps, that belong or managed by UNAMID force. And this is one of example of recent violations on the international laws, as it is stated in the Rome Statute. After the fall of Bashir regime in April 11, 2019, the Rapid Support Force Militia has been recognized as partner in the new born government and continue to act with more impunity as it is committed the massacre of the 3rd of June in the sitting area in front of Sudan Army headquarters. The factors of instability in Sudan are too many, but I can recognize or select among them the armed conflict that is regarded as a major cause of instability among other factors, like livelihood-based resources, which is a type of a conflict in Darfur and many other regions over land, water, and grazing pastures. Cultural, like ethnicity and language differences, and so many other religions in Sudan. One of the serious also factors is external intervention, which is manifests itself of intervention and control of different parties to the conflicts in Sudan. Lastly, is a socioeconomic, like poverty, illiteracy, in endemic health issues, and pandemic, as we are now witnessing COVID-19, which is sadly have been reported yesterday by Deutsche Welle TV that Sudan is going to be epicenter for the pandemic in Africa, with more or less 50,000 incidents of infected. With a death toll that is not recognized until now. And this situation makes the instability more aggravated by the COVID-19. One of the major issues is gold mining and which sustained the instability in Sudan. The RSF militia, the Janjaweed militia, led by Hemeti, has control over the gold mines in several places in Sudan, mainly Jabal Amir, and to finance their brutal and illegal activity. It has been documented in several reports that United Arab Emirates is the major trading hub for Sudanese gold. The illegal gold trade has given rise to grave security concerns in Sudan due to the direct finance to terrorist groups and militias in our country. Recently, it has been revealed that different Islamic jihadist groups in Sudan own their own gold mines, and that has been released by the transitional government. The RSF militia receives in reward from United Arab Emirates armored vehicles, regardless the United Nations Security Council Resolution 1556 in July 2004, that is about arms embargo in Sudan, as it is alarming situation of the violations against the international laws and regulations. The human and environmental impacts of the local gold mines are hard to ignore, as 11 women as we witnessed several incidents of the deaths, and we have last month, 11 women have been killed in a collapse of gold mine. And the other factor is the pollution of the natural resources, like the earth and the water courses, due to the lethal chemical substances used in the process.
This situation aggravates the fragile security in Darfur and so many armed groups involved in this threat. The issues of mercenaries that has been lately practiced by so many armed groups, mainly the RSF militia, has become the first militia with air force and more than 50,000 personnel recruited from young men. They have been active in Sudan and outside, with direct ties with the United Arab Emirates and Saudi Kingdom, paying generously to recruit youth as mercenaries in Yemen, and the warlords consider it as a lucrative business. Repeatedly in Libya to defend the interests of the United Arab Emirates across the borders. And the Darfur region is becoming the zone, a free zone for terrorist groups coming from the Sahel, as it is documented by the local people being chased away from their villages by the newcomers. This is just a part of what we mean by the instability in Sudan. And we have, the only hope is that we have now transitional government in Sudan, but it inherited a country with a serious conflict and economic deterioration that need to be addressed as soon as possible. And the peak of the agenda is the peace process that need to be addressed in clean atmosphere from the foreign intervention, and must be inclusive process that consider women participation, as they are the stakeholders for peace. The effort being done by European countries are below the expectation, as some of the armed movements are not participating in the process, bearing in mind that 3 million people in the IDPs camps are waiting for this peace to come. In very dire situation, under sunlight and hunger. Moreover, the whole country is collapsing in fast pace. Therefore, the obligation towards the people of Sudan drive us all to demand for everlasting peace. Throughout, economic reforms will help in stability in the country towards democratic transformation. As we have 84% of our youth are not employed. Yet the pandemic also is slowing down the process of change towards democracy, and worsen the situation in the country as the health system collapse and it is for below, and what is happening is just below the expectations. This is all what I have and I want to say. Thank you very much for having me here, and I welcome your questions from what I have said. Thank you. Thank you very much, Iman, for this analysis. And we are sure that what you said about what's happened in Sudan, I'm sure that we need to have more information, and maybe people have our participants have some questions. I want you to highlight about maybe in one short minutes, okay, what's your point of view about the relations between Europe and Sudan during this transition, and about Khartoum process to control migration, not from only Sudan, but even on all the region. But we know that Sudan is in the same time a country of transition, and even send migrants the last decade. How you think? What we think about the suspension of the Khartoum process during this 2 years? Thank you so much. The Khartoum process is a process designed, a policy that designed to hinder the or to limit
the migrants from Africa towards Europe. And the Sudan, Khartoum has been chosen as a center for this process. First, I believe that this process has been done the wrong way because huge money have been invested to hinder the refugees or the migrants from fleeing their countries, where the issues or the main causes of this this migration has not been addressed. Second, in Sudan, the money allocated to control the borders have been given to the RSF, the Rapid Support Force militias by Bashir regime, and that has been a great risk because the militia have committed brutal human rights atrocities towards the refugees in Sudan, mainly Eritreans and Ethiopians and other major minor African migrants. I believe now Khartoum process is a process that is very unfair because lots of human rights violations have been committed within the process. And and at the same time, the reasons for this migration has never been addressed properly to solve the core issue of the refugees. And of course, there is lots of atrocities also being committed in the Mediterranean that hundreds of Africans have been left to drown in the sea, which I find this is a double standard from the European Union, and we have issued lots of appeals so that they can consider what's going on to the African people in the Mediterranean and back in Africa and in the borders also. And I remember one big incident of the bombardment of the detention center of Tajoura in Libya, which was very painful, and the coming back of slavery that has been practiced in Libya. I think this is all contributed to the, would aggravate to the human rights issues faced by the European Union. Thank you very much, Ayman. Merci beaucoup. Shukran jazilan ala hadhihi al-mudakhala. Now we will give the floor to our participants. We have many questions. Nous avons pas mal de questions. Je pense que mon collègue Emmanuel, que je ne vois plus, qui est là, a aussi des questions. Je pense qu'on va se les partager. Peut-être je lui laisse tout de suite la parole pour transmettre les questions et je prendrai la suite pour nos intervenants. Je suis un peu embêté parce qu'il y avait deux questions que j'avais sur l'écran, mais comme j'ai été déconnecté, elles sont disparues. Donc je laisserai Abdel Salam les poser, et j'en ai moi-même une à poser à l'ensemble des participants, parce qu'on a évoqué l'action des acteurs régionaux. Donc ça a été rappelé, je crois, par l'ensemble des intervenants, en rappelant qu'il y a une pression de plus en plus documentée sur cette question du mercenariat et du rôle des mercenaires dans les conflits avoisinants. On en a une expérience ces derniers jours dans l'offensive ratée, ou en tout cas l'offensive mise en échec du maréchal Haftar depuis un an avec les mercenaires soudanais du côté de l'armée nationale libyenne, de la LNA, mais également dans la question de la continuité, malheureusement, du conflit dramatique qui perdure depuis 2015 au Yémen. Un rapport de Reuters documente cela parfaitement, et je crois qu'il est intéressant d'y revenir, mais je laisserai Tom Charles, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, y revenir. Moi, j'avais une question à l'ensemble de nos panélistes sur ce qui semble être une question banale, ou en tout cas une question qui revient à chaque fois, surtout dans cette région du monde, qui est le point d'entrée des routes de la soie chinoises vis-à-vis du continent africain. C'est une région qui sert de capacité de faire transiter des biens et des personnes de nombreux États enclavés. Le Soudan du Sud en est un. Évidemment, les pays de la région des lacs et bien évidemment la capacité stratégique ou la dimension stratégique du port de Djibouti n'en est que plus forte, ainsi que celle du port de Mombasa sur un petit peu plus au sud, sur l'océan Indien. Quel impact
la diplomatie du masque qui a encore une fois pris comme ancrage ce leadership éthiopien a pour l'avenir de vos différents pays, en tout cas des pays que vous représentez, entre guillemets, ou que vous suivez. Je dis cela parce que l'on évoque souvent le fait que 80% de la dette de Djibouti est entre les mains des banques chinoises, et donc cela a quand même, malgré tout, une certaine forme de capacité d'action sur la prospective stratégique sur le plan économique des différents États. Donc je voudrais juste avoir votre analyse là-dessus, et qui reprend une question que je ne vois plus, mais que j'ai en tête, de François Sostalier, qui nous demande, et qui vous demande, pardon, quel est finalement le rôle des grands acteurs traditionnellement présents. Je l'évoque, mais Abdel Salam pourra la préciser, nommément les États-Unis, la Russie et encore une fois la Chine a été mentionnée comme facteur de stabilisation ou comme facteur de déstabilisation. Maybe you can translate it rapidly in English. Yes. The two questions. Your question, the first one. You can, the question is about the role of. Yes, my question. About the mask, the impact of the mask and the COVID-19, maybe in different countries. That I understand. The first question, Emmanuel. Il y a de nouveau un problème de connexion. Pardon. It's okay. It's okay. So I translate to Eman rapidly. My question was about the diplomacy of mask from China. What impact does the determination or the linkage of some of your countries of the region, not only Sudan, but I have in mind more Djibouti, who is more integrated and more linked to the sort of stabilization about China? And this question was raised by former minister, former deputy MP, François Sostalier, asking us about an overall question about the role, positive or negative, positive or regressive, about Russia, United States, and China in this part of the African continent, but we can say in all parts of the continent. Maybe we can give the floor first to Abshir and then we continue? Yes, yes, we give the floor to Abshir, yes. Abshir, c'est à vous. And thank you. First of all, the impact and regarding Somalia from China, we have not been affected on that. And the importance is also the rules of the engagement and with Russian or the Americans or European Union. There's room to be improved. And in the region, and the question one has to be asking himself: do they really understand the conflict that's happening to the country? Are they really connected to the nation of, especially in Somalia? And the question is basically: do they have a rule themselves and vision? What do they want to achieve out of the region of, especially Horn of Africa, that basically that I've been working for the last 30 years? And there's a lot of impact, negative impact, but I always measure the success, not only the negativity, but also on the positivity side of it. And that we have to understand that that was a non-stop failing of investment into the region. And as my colleague speaker raised the issue from Djibouti, and say that the tribal division in Somalia, do we really understand the tribals in Somalia? No, I don't think so, because there's no tribal issue in Somalia besides a court name on it. The reality, the Somalians are living together. All they're looking for is strong leadership, safety, security, and an environment, basically, that they've been recognized internationally. We've touched the elements of the ADP. Of course, I call them those people that were voiceless people. And the reality is, when I see the figures that we spend in Somalia, one always has to ask the question, where do we spend this money? Do we have transparency? Do we have accountability on this money? Do we have an audit? As I come across myself, right now I'm writing a book about my regional in Somalia that was going to come out the end of June, I am basically touching some of those sensitive subjects.
and on the regions. So yes, I mean, the Western and international investors has to understand what do they want from Horn of Africa. Okay. Merci, Abdeslam. On peut peut-être continuer rapidement avec nos trois autres intervenants. Ensuite, oui. Rossi, terminer avec des questions plus précises. Oui, oui, absolument. On continue avec maybe the reaction of Caroline. Oui, oui, bien sûr. Alors, bah, pour ma part, c'est vrai que la relation éthio-chinoise est assez ancienne. Surtout, en fait, elle a été vraiment impulsée sous Mélès, hein, avec son idée de tiger economy, d'état développementaliste, on va y arriver. Voilà, ce qui s'est passé avec la Chine, donc la Chine a énormément contribué au développement du pays. Elle a permis, voilà, à travers de nombreuses aides. Après, on sait que ces aides, on ne sait pas vraiment comment elles sont passées, en fait, finalement. On ne sait pas vraiment quelles conditions, et donc c'est ça qu'on se pose depuis de nombreuses années. On voit l'Éthiopie qui se développe, on voit l'Éthiopie qui s'endette aussi, et on ne sait pas sous quelles conditions, et cette dette est majoritairement chinoise. Donc c'est vrai que là, bon, on arrive à le système arrive un peu à bout de souffle. C'est aussi ce que le Premier ministre Abiy Ahmed voulait un petit peu contrebalancer, hein, en diversifiant son économie. On voit bien aujourd'hui toujours la présence chinoise, et on voit l'intervention, voilà, ces masques justement qui arrivent, même plus qu'en Europe, donc c'est impressionnant. L'Éthiopie a toujours des liens bien évidemment très forts avec la Chine. Au niveau de la population, moi lorsque je parle aux Éthiopiens, ils en sont plutôt satisfaits, tout en ayant, voilà, forcément, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, mais voilà, ils ne sont pas forcément contre cette présence chinoise, tout en ayant conscience, qu'il va bien évidemment falloir la diversifier. Et c'est ce à quoi s'emploie le gouvernement actuellement. Merci. Même question à Publoc concernant ce qu'on a appelé la diplomatie du masque. Oui, absolument. Donc, le Parti communiste chinois a toujours indiqué que il n'aurait aucune visée extérieure ou annexionniste ou aucune expansion, qu'il n'aurait jamais de base militaire à l'extérieur de la Chine, et qu'il n'irait jamais, enfin ses troupes n'iraient jamais ailleurs, et qu'il se contenterait de s'auto-développer dans leur pays ou avoir à la rigueur un droit de regard sur la mer de Chine, mais pas plus que ça. Et aujourd'hui, il y a une base militaire chinoise à Djibouti. Bien entendu, Caroline l'a rappelé, parce que il y a des liens très forts d'abord avec l'Éthiopie, mais aussi des liens très forts. Mais ils appellent pas ça base militaire, ils appellent ça unité de facilitation. En fait, ils appellent ça facilitation logistique. C'est pas vraiment une base militaire. Mais quand on y regarde de plus près, c'est une vraie base militaire qui peut recevoir plusieurs milliers de personnes. Donc, ce qui, à Djibouti, on a une tradition de recevoir des bases militaires. Nous avons toujours eu des bases militaires françaises. Nous avons eu, après, avec la guerre du Golfe et le terrorisme et la piraterie, une base militaire américaine. Ensuite, nous avons les Européens, l'Allemagne, l'Espagne et puis le Japon. Et suite à l'arrivée du Japon, nous avons également, c'est l'un des motivations de la Chine, c'est l'arrivée sur la corne de l'Afrique, du Japon, la Chine a suivi aussi cela, en plus des liens qu'il peut y avoir avec l'Éthiopie. Donc nous, ce qui nous inquiète, bien sûr, Emmanuel l'a dit tout à l'heure, c'est 2/3 de notre dette est chinoise, et ce qui nous inquiète, c'est tomber dans le même piège que Sri Lanka. Vous savez qu'au Sri Lanka, l'ancien président avait fait construire un port et un aéroport dans son village natal avec des fonds chinois, et c'était des éléphants blancs, bien entendu, et il a été obligé, maintenant qu'il a perdu les élections, le nouveau président a été obligé de vendre un peu tous les assets du Sri Lanka aux Chinois. Donc nous, on fait attention à cela. Et on a remarqué au Sri Lanka aussi que cet argent, ce qui conditionne souvent l'aide chinoise et la présence chinoise, c'est
que les travaux ou les sont faits par des entreprises chinoises. Et ces entreprises chinoises, souvent, il y a un flux d'argent qui arrive dans les sociétés et qui, il y a une ingérence, on va dire, dans les politiques domestiques. C'est-à-dire, comme au Sri Lanka, par exemple, ils ont financé la campagne du président qui sortant. Et ça, c'est une ingérence à laquelle nous ne serons pas prêts à accepter. Donc, nous sommes un peu, notre préoccupation, c'est ça, c'est ne pas tomber dans le piège du Sri Lankais et puis ne pas tomber dans un autre piège qui nous est tendu peut-être par l'Éthiopie et la Chine en même temps. Nous sommes entre le marteau et l'enclume et aujourd'hui, en plus de la Russie qui voudrait avoir une base, nous avons l'Éthiopie qui voudrait avoir une base navale à Djibouti. Donc, nous sommes à quelques kilomètres. L'Éthiopie se situe à quelques kilomètres de la mer. Quand vous êtes à la frontière djiboutienne, c'est comme si vous êtes entre Bordeaux et Arcachon. C'est pas très loin. Donc, c'est très vite vu. Donc, nous ne voulons pas de ça. Nous sommes conscients de notre position stratégique et nous sommes friands de notre souveraineté et nous y tenons. Donc, nous sommes prêts à… Aujourd'hui, il y a eu des investissements, bien entendu, le port, l'aéroport, beaucoup de choses ont été faites sur le plan des infrastructures. Ce qui nous vaut cette dette. Après, on ne sait pas si elle a été bien gérée ou pas. Ça, c'est une autre question. Mais voilà, il y a ça. Et puis, aujourd'hui, je pense que le Djibouti est en train de voir comment elle peut se sortir de ce bourbier dans lequel elle s'est mise pour ne pas tomber dans le même piège que le Sri Lanka et ne pas donner le flanc à d'autres critiques et à d'autres soulèvements de sa population si la souveraineté territoriale de ce pays qui est déjà entamé par l'Érythrée était mise en cause. Voilà. Merci, Abdouj. Avant de passer la parole à Ayman pour réagir concernant la question des masques, je crois que Emmanuel voulait faire un tac au tac. Oui, une question de relance, puisque je reprends d'ailleurs une partie de la question de François Sostalier. J'entends bien ce que vous dites, Abdou, le fait de ne pas devoir être dépendant économiquement d'un pays qui a massivement investi, puisque un des corridors des routes de la soie de la Belt and Road Initiative passe par le port de Djibouti, mais il y a quand même une autre dépendance, c'est la dépendance américaine. Je rappelle que sur le camp limonier, il y a quand même 4500 Américains et qu'ils y mènent leur guerre au Yémen, et à juste titre d'ailleurs, et ils y mènent leur, enfin pas à juste titre, au Yémen, mais en tout cas ils y mènent à juste titre leur mission de stabilisation en Somalie. Est-ce que vous n'êtes pas victime de votre propre succès ou in fine vous êtes finalement dépendant de l'ensemble des acteurs qui estiment qu'ils ont un rôle à jouer dans la stabilisation de la région? Donc, qu'est-ce que vous pouvez répondre en complément de cette non-dépendance ou cette velléité d'être moins dépendant de la Chine? Est-ce que vous direz la même chose vis-à-vis des États-Unis? Je rappelle que la présence militaire française a été réduite puisque nous sommes maintenant dans une logique bicéphale avec une partie de nos troupes qui traditionnellement étaient à Djibouti maintenant sur la base d'Al-Difra aux Émirats Arabes Unis. Oui, merci Emmanuel. C'est une très bonne question. Djibouti a toujours vécu de… C'est un pays avec pas beaucoup de ressources. Nous vivons surtout de notre diplomatie et de notre position stratégique. Nous n'avons pas d'autre chose. Voilà, nous avions une tradition pour recevoir l'armée française qui a toujours été là. Et nous savions comment travailler avec eux. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous ne connaissons pas trop les Chinois. Ils ne sortent pas de leur coin. On ne sait pas comment ils fonctionnent et la population et même les dirigeants apprennent à connaître ces gens-là. Les Américains, c'est pareil, c'est tout nouveau. Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre du Covid-19, ils se sont enfermés, ils se sont confinés et ils ne parlent à personne. Voilà. Et tous les salariés, les centaines, voire les milliers de gens qui travaillent chez eux, ils sont chez eux et puis on attend qu'ils décident s'ils vont les payer ou pas. Je pense que ça a été débloqué par l'ambassadeur américain dernièrement, mais pendant 2 mois, on ne savait pas trop.
Donc, il n'y a pas de... En fait, les Américains, je pense qu'il y a... Ce qui inquiète aussi les pays du Golfe, c'est qu'il y a un désengagement un petit peu des États-Unis. Et il y a plus des middle players dans la région que les puissances. J'ai l'impression que les puissances occidentales se sont un peu, voient ça de haut, interviennent à travers la Banque mondiale un petit peu, mais ont laissé un peu le champ libre à des middle players comme la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite et d'un côté le Qatar et la Turquie et de l'autre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui se font des rivalités. Vous voyez que la Turquie s'est positionnée à Souakin au Soudan. Là, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis viennent de donner 400 millions de dollars au Soudan. Non, il n'y a pas. Je pense que les Américains, bien entendu, nous sommes friands de notre souveraineté vis-à-vis des Américains. Mais jusqu'à présent, ils fonctionnent de façon autonome, je dirais. Et ils ne se mêlent pas de politique intérieure. Ils ne graissent pas la patte aux politiques, aux entreprises. Voilà. C'est plutôt, c'est plutôt de la bonne gouvernance ou du bon partenariat. Alors que on dirait pas ça de l'autre côté. Merci beaucoup. On va aussi passer maintenant rapidement la parole à Ayman. Ayman, just we have your view about the what we call the diplomacy mask that, and we know that the relation between China and Sudan it's a long. It's a deepest relation, you know, and what do you think about this diplomacy of mask and what's it, how it should she impact its impact Sudan? Yeah, the relation between China and Sudan is a very long time rooted, and as Bashir have been. During the Bashir regime, the U.S. have made a deal in Sudan, and then the only economical ties have been well established with China, and with a lot of arm deals that have been used to support the war in Sudan, be it this war with the South or the war with in Darfur. Nowadays, I think China would like to reintroduce itself to the new government in a new way, or a new with the diplomacy of mask. And last week we have for 2 days ago we have a team, Chinese team, medical team to come and support. I believe China is understanding very well the new changes in Sudan and would like to have. Its own share or its own power on the resources of the Sudanese resources, as there is in the conflict in Sudan, there is lots of people or lots of governments that have great interest in Sudan. People are conflicting in the Red Sea zone for the harbors, mainly Emirates and Turkey and Qatar. And we have also some other the investment in agriculture in from several countries are very very unequal because of their very long term of 90 years contracts. I find it's more or less a stealing of resources of the Sudanese resources, and mainly China have been working in the oil sector in Sudan. And I think now they would like to reintroduce themselves to have more of the Sudanese contracts or resources with the new government. And I know very well that our country is divided into two. We have the civil part of the government and we have the military one. The military one has very good relations with China and Russia, and they are having a very smooth relation and ties, going and coming and doing business together.
But the problem is that we need to know what's the intention of our new government, the civil government, because until now, there is no any economical reform that has been well stated in the country. Until now, until we are speaking, there is no any economical orientation in the country. And that's why it is very early to say, will Sudan will accept, or the civil part of the government will accept having China as a partner. But more or less, I understand the Prime Minister Hamdok has good relations with the Western countries. And I think this is my intentions, that he is going the direction of the Western or European countries, not to China and Russia. Thank you, Iman. Before going, just to tell you that we have not more than 15 minutes, and we will close in 15 minutes. We have two, three questions before giving the conclusion to Tom. We have an important question from Sina Shimer. La question, je veux dire, it was in French. La question par rapport à ce qu'a dit Abdou concernant la conjonction des crises. Et aujourd'hui, il n'y aurait pas actuellement un risque d'insécurité alimentaire avec la conjonction des risques, à la fois avec le COVID-19, mais également la situation elle-même d'agriculture, puisqu'il y a actuellement une présence forte de criquets pèlerins dans la région. Est-ce que cette multiplicité, j'allais dire, de facteurs ne risque pas d'aggraver la situation économique dans la région pour un certain nombre de pays, mais également impacter même l'endettement qui est d'un certain nombre de pays qui est déjà assez fort. Donc ça, c'est la première question, mais je voulais aussi rapidement poser la deuxième question, et j'aimerais les deux questions, si on peut y répondre en quelques minutes pour passer la parole à Tom. C'est le rôle pour l'ensemble de la région du grand barrage de la Renaissance qui a aussi pas mal alimenté les tensions dans la région, donc de Grand Ethiopian Renaissance Dam, with this Grand Ethiopian Dam happened many tensions in the region, maybe to have some focus on that. Donc tout de suite la question à Abdou concernant la première question, et peut-être Caroline également pourrait réagir concernant le barrage de la Renaissance, et maybe even about Sudan, and maybe Abshir, I don't know, he's still with us, maybe he can react quickly. Okay. Abdou, en deux minutes c'est possible. Juste rajouter que par rapport à la question d'avant sur la Chine, en plein Covid-19, la Chine vient d'offrir un hélicoptère de combat et 11 chars à roues, on ne sait pas pourquoi, à l'État djiboutien, par exemple. Donc, ça, c'est un élément. Bon, pour revenir à la question de l'économie, oui, aujourd'hui, nous avons, en plus des catastrophes naturelles, qu'il y a la sécheresse, le problème d'eau, il y a les problèmes d'agriculture. Vraiment, il y a une situation très, très difficile dans la Corne de l'Afrique. Et heureusement, vous avez des organisations telles que l'IGAD qui s'occupent de ça, et d'autres partenaires européens et occidentaux et même mondiaux qui œuvrent pour aider ça. Et le grand problème, c'est les déplacements des populations. Vous savez, aujourd'hui, on voit dans les médias très rapidement la Méditerranée. Mais aujourd'hui, dans le désert Afar, vers le Yémen, il y a des milliers de personnes qui vont migrer vers les pays du Golfe. Et là, dernièrement, 3000 personnes ont été refoulées du Yémen et sont sur les côtes djiboutiennes. Et on ne sait pas comment l'OIM a un bureau là-bas, au BOC, et s'occupe de ça. Merci Abdou. On voit ça. Désolé de voilà. Peut-être un dernier mot, on va passer la parole à Caroline.
Oui, la situation, le COVID-19 a vraiment bouleversé l'ensemble de ça, et non seulement a fragilisé les économies, mais il peut fragiliser les États. Et là, les aspirations sont fortes. Et aujourd'hui, si les États n'arrivent pas à avoir une gouvernance inclusive et à répartir les richesses et le pouvoir, je pense qu'on s'attend à quelque chose de très grave. Merci Caroline. Peut-être réagir rapidement par rapport à la question du barrage donc de l'Ethiopian Renaissance Dam. Oui, alors donc sur le barrage de l'Éthiopie, bon, c'est une question qui est récurrente, hein, et donc qui va commencer à prendre de plus en plus de place au fur et à mesure que le barrage se termine. La principale problématique reste quand même sur le temps de remplissage du barrage, donc qui risque d'avoir des impacts énormes sur le débit après que recevra donc le Soudan d'une part, mais surtout l'Égypte qui sera évidemment le dernier pays à en bénéficier. Donc les débats sont toujours bloqués. À partir du moment où le barrage a pris du retard, on laissait un petit peu la question pending. C'était toujours un peu tendu. Mais maintenant, c'est vrai que là, le barrage va commencer. Là, le remplissage risque de commencer. Donc c'est aussi pour ça que les tensions montent. J'ai pas forcément suivi les derniers rebondissements, mais j'entends que l'Égypte demanderait une médiation à des niveaux un peu plus élevés. Enfin voilà, sortir des formats traditionnels pour que la communauté internationale puisse, je ne sais pas quel format, mais s'y joindre. Et un dernier point, donc c'est aussi c'est là où Madame Eman viendra prendre la suite. Bien évidemment, c'est le rôle du Soudan hein, qui est très très important dans ce format un peu tripartite, où finalement, il a tendance parfois à se positionner un peu plus du côté éthiopien ou un petit peu plus du côté égyptien. Du moins, cette question de partage des eaux du Nil a vraiment toute sa place, mais également dans la politique interne comme de l'Afrique et notamment entre ces trois pays. Merci Caroline. Je donne tout de suite la parole à Emmanuel pour la suite. Bien entendu, j'aurais aimé maybe one more question, but maybe the time is not good for us to even now. Question for Abshir about what he said about the role of the diaspora, the finance, the economy. I think we know that the COVID-19 impacts the remittance that diaspora send to the country, even in Africa. We know that more than 300 billion every year are sent in from the diaspora, and with the COVID-19, it was not possible to send this money today, and that impacts hardly the economy. Maybe in 1 minute to Abshir, and after Emmanuel follow. I agree with you, and this is the impact that is going to be phenomenal, and the investment from the diaspora and the rules of the diaspora, and I'm afraid that, and as also Abdul said, it also change of the climate, and yes. These factors that we have it, and is it going to be impacted? Yes. How deep impact? And I'm afraid, especially all the region that we all coming from, we are unprepared and not ready for it. So I'm afraid that, we're going to new at territorial level and in our government are not strong enough. So they might have a chance to the local people to survive, and because of already having a very little income and living on the basis. So in my prediction, there might be an opportunity and chance for them to stay stronger. But the day ago, again, we're going back to the rules of having, like, Somalia needs a strong government, and the government that we had it up to now are very weak. So the economic development, so the diaspora, I'm sorry, a lot of Western or North America people that were sending their families have lost their jobs, it will impact us. COVID-19, it will impact us. As Somali, that we don't have specific static and known exactly how many people have become contagious. So the challenge is ahead for us. The time will tell us for the next few months coming to us.
But my message is very single, and my message is Africa needs to be strong together to survive. Thank you very much, Thierry. We know that the last statistics said that the Somalian diaspora send more than 30% of the GDP for the economic of Somalia. Emmanuel, désolé pour ça. Thank you. Emmanuel. Oui, alors, excusez-moi, ma connexion est un petit peu instable parce que j'ai me fait qui est connecté, mais je suis vraiment désolé. J'espère que toutes les questions ont été posées. Je m'excuse auprès de Roger parce qu'il avait une question spécifiquement sur la dette, l'annulation, la suppression de la dette et les droits de tirage du FMI, puisque ce sont que quelques-unes des perspectives, mais ça mériterait d'ailleurs un débat à lui tout seul. Hier, j'animais un débat justement sur des solutions alternatives, le microcrédit, comme vous le savez, les IMF et les structures décentralisées financières, qui sont deux autres façons aussi de concevoir cet apport pour favoriser l'économie circulaire dont a besoin le continent africain, puisqu'il génère pas loin de 70% de ses revenus. Mais je voudrais maintenant donner la parole à Tom pour qu'il nous dresse peut-être sous forme de synthèse, mais je sais qu'il a beaucoup de choses à dire sur les ingérences extérieures. So Tom, now I give you the floor for the final comment and then I will wrap up very rapidly because the clock is ticking. Hi. It's nice to start. I've never been that silent for so long. Yeah, ask my family. I've never been that silent for 2 hours. So thank you, Abdesalam and Emmanuel, for hosting. What's been a very interesting meeting. And I'll introduce Tactics. Tactics Institute. We're a fairly new think tank. We started just over a year ago, based in London, focused on security, counter-terrorism, really all over the world. And we haven't quite settled. If you look at the website, you'll see the geographic spread is probably too wide, but there's so many interesting regions and so much happening at the moment that we're struggling to narrow down geographically. So it's been very nice. It's been very humbling to be with everyone on this Zoom conference. What I like is the fact that it's a combination of knowledge and passion. I find if people have one without the other, it's quite hollow. But I think all the speakers have had that combination, which is inspiring, which gives us some hope for the future of the Horn of Africa. Abshir, I'd like to pass on my condolences for the loss of your friend from everyone at Tactics. I think we might be close neighbours if you live in London. And I live near the Somali community. And I'd also like to second what you were saying about the Somali community and the warmth of the people and the skills of the people. I've worked, before I worked with Tactics, I worked a lot with the Somali community. And really nice people, really a particular spirit that they bring to London and to England. And the same, I've worked with Sudanese people and I know a lot of Eritreans and Ethiopians here in West London. And there is a particular spirit that they bring, which we wouldn't have. We simply wouldn't have it without them. And I think what we've seen, certainly in the UK, is the limitation of money on its own in the face of a serious crisis. We're the fifth biggest economy in the world. We've got the highest death rate in the world from COVID. It's criminal. It's a serious security issue to not harness people and compassion and the more caring skills that people have. So you can have the biggest economy going, but in the face of a threat like this, you can see what's happening in the UK. So that gives me some hope. I know there's many, many complex problems for the countries that you're all representing today. I wouldn't underestimate that ever, but there's also a lot of hope. And Abshir, again, you focused on that, on the hope and the positives that come with having people with such an entrepreneurial spirit and such a human spirit, which I think sometimes we lack maybe in European capitals.
Ayman was talking about how there are too many factors behind the security threats, the insecurities. There are too many. It's like a game where something else pops up, something else. And any major international event will be pounced upon by, for example, in Somalia with Al-Shabaab or with the gold trade. And some of these issues we've looked at tactics. So there's inherent weakness there. So I would never ignore that. But I take from this meeting, but also from the work we've done and other experts we've spoken to, and my own experience, is that there is also a lot of potential and a lot of power in the populations, if that can be harnessed. And the issue of the diaspora and the security, the overlap between the diaspora and the domestic security issues. I know people here in London who would go back and start a business or start an aid program or some kind of enterprise back in one of these countries in the Horn of Africa, and they just can't do it. That's their dream, to go back, to return. And some of the younger people want to come and go and live between Africa and England, and they can't do that until the security situation is resolved. So maybe I was thinking maybe Tactics Institute can play some small role, some humble role really, in providing a platform where people from different countries but with shared concerns. We have to summarize because we need to close. My final point. Yeah. We will be connected at 8 o'clock. Okay. Okay. My point being, just to keep in touch, everybody, and I'll make sure I get your email addresses, and we'll keep in touch, and hopefully we'll all work together again soon. Yes. Thank you, Tom, for this final record, final remarks. We have taken screenshot pictures. We have a recording. Unfortunately, there was a problem for Facebook, but we did have the recording of this very passionate debate. Yes. Thank you so much, Abdel Salam. I think he can join me in saying we were happy to raise this question, because it's a question we do not sufficiently raise in France. And it's a pity, because everything is interconnected. When it comes to security in Sahel, we do have impact on the stability, both in Chad, both in Libya, as we have experiencing with the influence of the mercenary. We do have the impression, as well as when we're speaking about East Africa, that it's a core of what France should be looking at. France has developed the idea of having an Indo-Pacific strategy. Well, in Indo-Pacific, there is Indian Ocean. And as you well know, in the State Department, the Ministère des Affaires étrangères, I would speak under the authority of Caroline, we have two directorates for Africa, ANMO, Middle East and North Africa, and DAOE, Direction of Africa and Indian Ocean, which tends to say that we have a role, not only because Djibouti is Francophone, not only because Comores and Madagascar are Francophone, because we do assess the fact that what is going on in the Horn of Africa is spreading in the east of Africa. I will definitely do a webinar on what is going on in the northeast of Mozambique, which is very frightening, and again, engaging for the international community on how we can help prevent something which can be the next Sahel, or what is still going on in the Great Lake area. So very happy to have had with Abdel Salam and the partnership of TAM with the Tactic Institute for Security and Counterterrorism. I will not forget Thinking Africa from Dakar and our major partners, and of course, a European Center for Peace in the Horn of Africa of Abdel Salam. Very happy to have been discussing with you. We've raised a lot of questions. There was maybe some questions we didn't go sufficiently deeply, but I will make the proposition that this is just a milestone or just a step, so we can have more intensive, as Tom has mentioned. By the way, Tom has made a very interesting report on the influence under the authority of tactics, on the influence of the Gulf countries in that area. Again, this pearl necklace, in French, we say collier, strategy du collier de perles, which brings country to pinpoint a certain number of areas of interest in order to assess
that they have an historical, not to say geographical claim, what is happening in Seychelles, what is happening in Mauritius, what is happening in the Maldives, is something again on which we can focus and which could raise another debate. So before we are cut, thank you so much for listening, for staying longer than expected. Merci beaucoup à nos quatre intervenants, Caroline, Abdou, Eman, bien évidemment Abshir, qui nous a fait l'amitié malgré les circonstances de rester, Tom bien sûr, et un grand merci à mon complice Abdel Salam. Je crois qu'on a réussi ce difficile exercice. On aurait souhaité avoir un petit peu plus de monde connecté, mais je plaide coupable, il y a eu un problème de connexion avec Facebook et je m'en désole et c'est de ma faute. Mais en tout cas, merci pour ceux qui ont été présents. Ils n'ont rien perdu et je pense qu'ils y ont gagné beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous et surtout passez une bonne soirée et un bon week-end. Merci à vous. Merci. On enverra, Abdel Salam, on enverra l'enregistrement à tout le monde ainsi que les photos et les screenshots. Merci beaucoup à vous. Et on vous donne rendez-vous pour d'autres webinaires. Et on redonne rendez-vous, bien sûr, pour les prochains rendez-vous. Merci. Other issues, we have a lot to discuss.